vous êtes dans Bouctou. Bon. Comment tu vas, ça va? Bon, alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, on va d'abord à la salle pour prendre un petit apéro. Ils étaient en train de m'interviewer, mais j'ai interrompu. Non, ben, continue. Ben, je t'accompagne. C'est plus important. Je t'accompagne d'abord, avant de terminer mon interview. Thank you.
maman. Oh.
Chers camarades alliés du FSNC, de l'UPC, de l'UNDP et du CPP, d'un méga meeting, qui sera continué par des animations de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Mesdames et messieurs, je vous prie de nous mettre avant de dérouler le programme. Nous allons nous mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Hymne national en entier. Prière de nous de coiffer. Merci. Monsieur Alphonse Bibéen. Après ces deux interventions, nous allons souffler avec Nicole Mara. Nicole Mara, juste après elle, le ministre Mouele. Voilà, le ministre n'est pas là. Alors, ce sera donc une autre intervention de Hervé Kébou et de Annie Anjouin. Après donc ces trois interventions des artistes Nicole Mara, Hervé Gebou, Anne Anjouin, de la commission départementale lui-même interviendra M. Linda Luis. Juste après lui, ce sera donc le dos chanter le refrain de l'hymne national, puis ce sera donc lancé avec un concert populaire. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous allons accorder quelques minutes pour une brève intervention, une brève animation de la chorale qui a été apprêtée.
ou de réunion publique. Voilà, la précision, c'est qu'on ne devrait peut-être pas lire. Très bien, nous allons donc ici inviter Madame la présidente de la section RDPC, Sanaga Maritime Centre 1. C'est la section qui est en train d'organiser et de, ou alors de recevoir ce méga meeting. Elle a été à l'œuvre depuis hier. Elle, c'est Marinette Ngoyedna. On applaudit très fort pour elle, mesdames et messieurs. Sanaga Maritime, vous dites oui à quoi? Nous disons oui à l'unité, nous disons oui au progrès, nous disons oui à la démocratie. À qui? Nous disons oui à Paul Biya. Sanaga Maritime, vous dites oui à quoi? Nous disons oui à l'unité, nous disons oui au progrès, nous disons oui à la démocratie. À qui? Nous disons oui à Paul Biya. Excellences, Monsieur le Président de la Commission régionale de coordination de campagne du littoral, Monsieur le Président de la Commission départementale de coordination de campagne de la Sanaga Maritime, Monsieur le Ministre des Transports, Monsieur le Préfet de la Sanaga Maritime, Messieurs les sous-préfets de l'arrondissement de Déa Premier, Leur Majesté les chefs traditionnels, distinguées personnalités dans vos fonctions, rangs et grades respectifs, distingués sympathisants et alliés, chers camarades militantes et militants. Nous sommes rassemblés ici ce jour sous la houlette de la Commission régionale de coordination de campagne du littoral, conduite par son président, le camarade Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Aussi me choisit-il, est-ce qualité, l'honneur de souhaiter à vous tous ici présents, venus manifester votre soutien à la candidature de notre champion, objet de nos retrouvailles ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la Commission régionale de coordination de campagne du littoral, EDEA est sous l'effervescence de la campagne électorale comme partout ailleurs, à l'intérieur du pays. C'est un véritable déferlement dans tous nos quartiers et villages, EDEA en particulier et la Sanaga Maritime. En général, constitue un véritable laboratoire de la démocratie camerounaise, d'où cet engouement de nos populations à aller ici et là pour entendre vive la Sanaga Maritime, vive son excellence Paul Biya. Paul Biya, Paul Biya, notre président, père de la nation. Et même le FSNC. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il faut Monsieur Biya Félix. Né en Sanaga Maritime en 2013, est une équipe de football qui suit
les instructions de son entraîneur. Cet entraîneur, c'est le national Issa Chiruma Bakari, de voter sans faille, de voter à 100%, de voter dans tout le Cameroun. Le FSNC, cette équipe qui doit gagner en Sanaga Maritime, souhaite aussi à tous les ralliés de voter son excellence Paul Biya. Le FSNC demande à tous les Camerounais la paix et de prier rien que pour la paix et pour le succès. Vive le Cameroun, vive la Sanaga Maritime, vive Paul Biya. Pour nous permettre, mesdames et messieurs, de comprendre le bien fondé de ces élections présidentielles. Et ce soir, nous avons décidé d'inviter des artistes. Le tout premier artiste qui va passer devant nous. Alors, madame, monsieur, bienvenue ici au stade municipal DDA, chef-lieu du département de la Sanaga Maritime. On se tient actuellement le meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du candidat Paul Biya en lice pour la présidentielle 2018. Un meeting créolé par la présence de quelques fils du terroir, entre autres les ministres Masséna, Galé, Bibé, Laurent Esso, qui préside entre autres en tant que président de la commission régionale de coordination de la campagne du littoral. Et à ses côtés, nous avons d'autres responsables du bureau, à savoir Louis Yinda, qui est le président de la commission départementale de coordination de la campagne, et Périal Nyodok. Il y a la présence du ministre Laurent Esso, se fait connaître ici ce soir pour vérifier effectivement que la feuille de route signé par le président de la République Paul Biya bel et bien été respecté du côté de la Sanaga Maritime, à savoir une forte mobilisation des fils et des filles de la localité. Et bien, comme vous pouvez le constater, c'est d'ailleurs chose de faite. Un meeting qui a également connu le discours d'ouverture de madame Marinette Ngor, qui préside en tant que présidente de la section RDPC Sanaga Maritime Centre. Et bien, elle est venue se rassurer que tous les fils et filles du département de la Sanaga Maritime ont rempli bel et bien leur devoir, à savoir avoir une carte d'électeur pour voter au jour du 7 octobre prochain, et bien pour élire et faire gagner leur vainqueur, leur candidat, leur champion, le candidat Paul Biya. Merci. Une fois de plus, tout ensemble pour soutenir le candidat Paul Biya au vote du 7 octobre 2018. UPC-RDPC est une alliance prophétique et historique depuis 1992 pour la sauvegarde de la souveraineté du peuple camerounais et son intégrité nationale. Nous, UPCistes, sommes fiers de constater que depuis 1992, M. Paul Biya continue l'œuvre commencée par nos pères fondateurs et veille sur la stabilité et la paix sociale au Cameroun. Mesdames et messieurs, population de la Sanaga Maritime, partis alliés, tous unis au RDPC, accordons nos suffrages au soir du 7 octobre 2018 prochain à M. Paul Biya pour un Cameroun fort, un et indivisible. Vive le département de la Sanaga Maritime, vive l'alliance historique et prophétique UPC-RDPC, vive le Cameroun et son président Paul Biya. Je vous remercie. Paul Biya, oyez !
des exigences du temps. Nous allons enchaîner avec les différentes interventions retenues. Chef de la coordination régionale de la campagne dans le littoral, Excellence, Monsieur le chef de la coordination départementale de la campagne en Sanaga-Maritime, Monsieur le ministre des Transports, les représentants des partis alliés au RDPC pour le soutien à la candidature du président Paul Biya, chers militants, population de la Sanaga-Maritime, je ne vais pas faire un discours, nous sommes ici pour dire et pour appeler les ressortissants de notre département, la Sanaga-Maritime, à plébisciter en venant voter, en allant voter tous pour le président Paul Biya le 7 octobre prochain. Mais je m'en voudrais de ne pas dire un mot à la jeunesse de notre département, et je dirais même à la jeunesse de notre pays. Nous avons beaucoup de candidats qui viennent présentent beaucoup de projets qui semblent alléchants parce qu'ils font des affirmations. Ils s'engagent sur des réalisations qu'ils ne pourront jamais tenir. Alors, je voudrais relever qu'au contraire, la politique du président Biya, qu'il déroule depuis de nombreuses années, tend à donner des bases structurelles solides à notre économie. Je sais, particulièrement pour les jeunes, ils peuvent se dire « mais nous avons des problèmes pour trouver des emplois ». C'est vrai, mais je pense que les fondations qui sont posées dans le cadre de la politique économique mise en œuvre par le président Biya et le gouvernement sont des bases solides. Alors je voudrais vous dire juste un mot là-dessus. Au-delà de toutes les promesses que fait le président pour le prochain septennat, vous devez réaliser que toutes les grandes réalisations qui ont commencé au Cameroun, dans notre pays, depuis quelques années, ont pour seul objectif de donner des bases fortes et solides à notre économie pour lui permettre de se développer avec une croissance soutenue. Tous, vous voyez tous les projets d'infrastructures, aussi bien routières, ferroviaires, maritimes, des infrastructures pour la production énergétique, tout cela, c'est les bases qui, demain, vont permettre de déployer des activités, que ce soit sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan minier en particulier, et qui seront des sources importantes d'emplois pour la jeunesse. C'est pour cela que je demande aux jeunes de la Sanaga-Maritime et aux jeunes du Cameroun de tous se mettre derrière le président Paul Biya, parce qu'il a le programme qui est le plus réaliste, le mieux fait, le mieux réfléchi. Et au-delà de tout cela, le président a l'expérience nécessaire pour qu'en cette période où notre pays traverse des difficultés, il est celui qui pourra maintenir le cap et guider notre pays vers la prospérité. Je vous remercie. Mais c'est un tout petit peu timoré. Nous allons donc relever un tout petit peu cette ambiance avec Ngeya La Route. Chers compatriotes, je ne vais pas faire un discours, mais je vais tout simplement vous donner trois raisons uniquement pour voter pour notre candidat Paul Biya. Un, nous avons une élection à 9 candidats. Le président Paul Biya, candidat sortant, et les autres. Je vous rappelle que l'élection se déroulera à un tour. Un tour. Donc il ne s'agira pas de s'essayer
en espérant un second tour. Les candidats, les 8 autres candidats, savent que partout dans le monde entier, je vous dis bien, partout dans le monde entier, il est extrêmement difficile, voire impossible, quand on est si nombreux, de gagner face à un candidat sortant. Donc, s'ils étaient vraiment sérieux comme ils le prétendent, ils auraient mis en face de notre champion un candidat et un seul. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils annulent toutes leurs chances en étant 8 face à notre candidat sortant, vous promettant un tas de choses, de chimères. Mais enfin, je vous dis, un seul vote à l'endroit des 8 autres candidats est un vote perdu. C'est un vote perdu. Parce que je sais qu'ici, parmi nous, il y a des RDPC qui veulent traverser. Il y a d'autres partis politiques amis. Et il y a plusieurs indécis qui veulent céder au chant des sirènes. Alors, si vous votez pour un candidat autre que le président Paul Biya, puisque ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs, vous avez perdu votre voix. Donc, vous allez voter pour qui? J'ai pas entendu. Vous allez voter pour qui? Très bien. C'est la première raison. Maintenant, la seconde. Il paraît qu'il y a un candidat qui a des soutiens internationaux. Vous le connaissez. On nous dit qu'il est très fort à l'international. Mais qui dit soutiens internationaux amène des interventions étrangères? Ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que vous avez besoin des interventions étrangères chez nous? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez besoin des interventions étrangères? Alors, si vous voulez éviter cela, ce n'est pas le soutien à l'international qui compte. Il faut venir chercher les voix chez vous au Cameroun. Donc, compte tenu de cela, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Troisième raison. Il paraît qu'il y a un jeune loup qui vient de naître. Alors, soyons sérieux. Quand vous venez de naître, est-ce qu'on vous confie la responsabilité de votre maison familiale? Est-ce qu'on vous confie cette responsabilité-là? Il vous faut avoir démontré ce dont vous êtes capable de faire. Ce n'est pas ça? Vous devez créer des emplois. Vous devez participer à la réduction de la pauvreté, ainsi de suite. Est-ce que c'est le cas pour celui-là? Donc, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Alors, je vous ai fait la démonstration simple. Je ne passe pas beaucoup de temps. Si vous votez pour un autre candidat que Paul Biya, votre vote est perdu. Mais sachez une chose, compte tenu de la première raison, il sera quand même élu, le président Paul Biya sortant, tout simplement parce que dans toutes les autres régions, on votera pour lui. Parce que les autres ont compris. Donc ne cédez pas au chant des sirènes. Si vous ne le faites pas, vous savez ce qui se passera. Vous n'aurez personne pour aller défendre vos intérêts le moment venu. Je vous remercie. Bonne soirée.
Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice Garde des Sceaux, président de la commission régionale de coordination de l'élection présidentielle 2018. Monsieur le président de la commission départementale de coordination du RDPC en Sanaga-Maritime, distingués membres de la commission départementale de coordination des élections en Sanaga-Maritime, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Edea, honorables membres du Parlement, mesdames et messieurs les présidents et présidents de section RDPC, OFRDPC et OJRDPC, chers amis de partis alliés, venus si nombreux nous soutenir, chers camarades, mesdames et messieurs, le temps des discours est passé. Comme vous le savez tous, le 7 octobre 2018, nous avons rendez-vous avec l'histoire, n'est-ce pas? Ce rendez-vous consistera tout simplement en une chose, de nous assurer que nous parlons le même langage, que nous vivrons tous au même diapason. Et ce diapason, c'est de s'assurer que notre candidat naturel, notre champion national, sera élu président de cette République, n'est-ce pas? Si tel est le cas, vibrez! Si tel est le cas, faites-le savoir! Pour cela, chers amis, nous avons juste 5 questions. 5 questions que nous allons vous poser et pour lesquelles nous souhaiterions que vous répondiez tout simplement par oui ou par non. Votre réponse, à elle seule, suffira pour dire ce que nous sommes venus faire ici. La première, la voici. Est-ce que nous sommes contre l'émergence du Cameroun? Non. Est-ce que nous sommes contre la poursuite de la réalisation des grands projets structurants? Oui. Est-ce que nous sommes contre la poursuite de la réalisation des grands projets structurants? Non. Est-ce que nous sommes contre la paix et la sécurité nationale? Non. Est-ce que nous sommes contre l'unité et la concorde nationale? Non. Est-ce que nous sommes contre un Cameroun prospère, juste et équitable? Alors, chers camarades, chers amis, vos réponses à elles toutes seules suffisent à nous dire que oui, nous sommes d'accord, nous sommes en phase. Alors, si nous sommes contre toutes ces propositions et que nous rejetons en bloc le désordre, l'aventure, l'instabilité, la guerre, et l'arrêt des programmes de grandes réalisations en cours dans notre pays, nous devons impérativement tous voter notre champion, le président Paul Biya, la force de l'expérience qui est le seul
qui pourra garantir notre avenir. Ben écoutez, Monsieur, nous sommes le seul parti qui peut décider spontanément de faire un meeting de 7000 personnes et en 24 heures on le fait. Parce que nous tenons la base, parce que nous sommes proches de nos militants et parce que nous sommes enthousiastes de voter notre président afin qu'il parachève son œuvre. Nous avons commencé les porte-à-porte. Nous pensons que les jeunes militants qui étaient un peu perplexes commencent à assimiler le message. Pourquoi est-ce que nous devons mettre le président? Excusez-moi. Je voudrais que les militantes ici présentes entonnent une chanson de Sico. Cycliste, ayant atteint le sommet, regardant
derrière ceux qui montent péniblement rejoindre. Vous avez vu vous-même, en 48 heures, le RDPC a montré sa force de frappe, sa capacité à agir, sa capacité à réagir, sa capacité à faire en sorte que les instructions qui nous sont données par notre président national applaudissez pour ça. Oui, incapable de suivre, oui. Incapable de suivre parce que nous sommes le seul armée pour qu'à travers l'élection qui arrive et l'élection de notre champion. Oui, frère, vous l'avez. Armée, bien armée. Pour mener une bataille, il faut des divisions, il faut des munitions. Et nous ne sommes personne de nous empêcher de faire gagner notre champion de la manière la plus éclatante en salle à maritime. Que nous avons déjà pour faire en sorte que le pays soit en danger. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que nos amis, les partis politiques qui sont venus nous rejoindre, pour que nous menions ensemble cette bataille au mérite, et qui n'est pas la bataille de la RDPC tout seul. C'est la bataille de la conjugaison de la RDPC, de ce sympathisant et de toutes les autres forces politiques qui sont des forces amies. En cela, je vous remercie, forces politiques amies, avec lesquelles je travaille depuis quelques jours. Vous savez, il est l'État, je suis ambassadeur de la parole. Si vous me laissez, je peux parler jusqu'à demain matin. Alors, étant ambassadeur de la parole, je me permets de vous dire, Excellence, dites au président que la salle maritime est prête pour la victoire de la paix. Yeah.
Sociétés. Mais aujourd'hui, c'est le président Yinda, président de la commission départementale de la coordination de la campagne du RDPC pour la Sanaga Maritime. C'est de lui qu'il s'agit. Monsieur le président Yinda et chers amis, merci de me céder la parole. Merci parce que c'est une rencontre départementale que vous avez organisée et à laquelle le régional est heureux de participer. Monsieur le président Yinda, permettez-moi de vous féliciter pour le succès de la participation des partis alliés, dont l'UPC, le CPC, l'UNDP, le FNC, dont je salue chaleureusement les représentants. Chers camarades du RDPC, chers représentants des partis alliés, nous le savons, le RDPC est un parti de rassemblement. Le RDPC rassemble le peuple camerounais dans un Cameroun un et indivisible. Le RDPC travaille avec les partis alliés pour un Cameroun un indivisible. L'homme de la situation, celui-là même qui peut maintenir le Cameroun dans cette cohésion, dans cette unité, c'est notre candidat, le président Paul Biya. Malgré les divergences d'opinion, malgré les turbulences qui surgissent ça et là, malgré ce qui paraît comme une incompréhension entre nous, militants d'un même parti, nous avons tous un seul objectif, faire triompher le Cameroun. À nous de convaincre les hésitants, à nous de convaincre ceux qui doutent encore, à nous de convaincre ceux qui se proposent de faire un autre choix, à nous de convaincre ceux qui pensent s'abstenir. Et pour faire triompher le Cameroun, nous avons tous un seul candidat. Faisons donc triompher notre candidat pour faire triompher le Cameroun. Son expérience est un atout majeur. Son expérience est sa force. Ce candidat, c'est Paul Biya, la force de l'expérience. Alors, chers camarades, chers amis, le 7 octobre prochain, tous aux urnes, sous le regard très attentif et très vigilant de nos scrutateurs. Dans le secret de l'isoloir, votons tous Paul Biya, la force de l'expérience. Ce n'est pas à travers les meetings que l'on gagne une élection, mais c'est dans les urnes qu'on gagne une élection. Alors je le dis tous, dans le secret de l'isoloir, votons tous pour Paul Biya, la force de l'expérience. Je vous remercie. En réalité, ce message est orienté essentiellement vers la jeunesse camerounaise. Vous savez, au-delà de mes fonctions, de mes responsabilités en notre parti, le RDPC, je suis aussi directeur général d'entreprise et dont tous les problèmes de la jeunesse, en particulier tout ce qui touche au chômage, me touche particulièrement. Et je sais que dans notre pays aujourd'hui, c'est l'un des points sur lesquels les jeunes veulent voir des solutions, veulent voir un changement. Alors, je voudrais donc saisir l'occasion pour dire aux jeunes que l'emploi,
c'est une bataille à long terme. Et le président Biya a jeté les bases aujourd'hui d'une croissance accélérée de l'économie de notre pays et donc un potentiel de création d'emplois encore plus important que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et il a fait ce travail, ça a été essentiellement, au-delà des réformes, des autres réformes structurelles, c'est tous les investissements qui aujourd'hui sont faits dans le cadre des grandes réalisations et qui jettent les bases infrastructurelles qui permettront de développer l'agriculture, l'industrie, le transport, les déplacements dans notre pays et donc sans lesquels, sans oublier tout ce qui est fait pour avoir une offre énergétique suffisante pour pouvoir créer des industries. Donc aujourd'hui, toutes ces bases sont jetées, les résultats sont déjà là. On a noté ces dernières années, même si c'est perfectible, un accroissement significatif de l'amélioration de l'emploi des jeunes. Et ce mouvement va aller s'amplifier. Il faut laisser le président Biya continuer cette œuvre qu'il a si bien commencée. C'est le conseil que je donne à la jeunesse camerounaise. Je sais qu'ils sont sensibles à cela. Il ne faut pas se laisser berner par les illusionnistes qui pensent qu'en deux mois, ils vont tout changer, tout le monde aura le travail. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Donc il faut faire confiance au président Biya. Et je ne peux pas non plus ne pas faire remarquer à la jeunesse la situation difficile que traverse notre pays aujourd'hui et qui nécessite qu'à sa tête, nous élisions un homme d'État avisé, pétri d'expérience et qui a montré son attachement aux valeurs fondamentales de notre pays, qui sont l'unité de notre pays, la paix aussi bien à l'intérieur qu'avec le reste du monde et nos voisins en particulier, le souci de maintenir une cohésion sociale entre toutes les couches sociales camerounaises et celui qui est en mesure de faire tout cela et sans aucun doute, c'est le président Biya. Donc j'appelle la jeunesse à faire confiance au président Biya et à lui donner tout leur suffrage et de manière importante et éclatante pour qu'il ait le soutien nécessaire pour finaliser tout ce qu'il a commencé. Merci. I'm aligning with the CPDM because I see that President Paul Biya is the one who can secure this country. I ask all my countrymen to vote for Paul Biya because he has initiated many things, many projects that should be achieved during this mandate. So we cannot follow those people who have no experience to conduct this country. This country is very complicated. So we should choose the man who has, since 35 years, conducted all the affairs of this Cameroon. And then we hope that with Paul Biya, the unity of the country will be sustainable. Thank you. Merci de vous retrouver ici à EDEA, chef lieu du département de la Sanaga Maritime, ville en tout cas industrielle qui accueille donc ce méga meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Écoutez, la tradition a donc été respectée ici, à savoir le soutien en tout cas. On a vu la présence ici donc des partis politiques de l'opposition qui se sont donc tour à tour succédés sur l'estrade pour en tout cas tous avec en tout cas le maître mot, celui d'appeler massivement les populations de cette localité à voter massivement pour le candidat du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais. Donc, on a donc eu les allocutions du responsable du FSNC, mais aussi la présence de l'UNDP qui a été en tout cas martelée par M. Djebaï Mozili, qui est le vice-président de ce parti d'opposition, mais également le plus vieux parti politique de l'opposition au Cameroun, à savoir l'UPC, qui a donc également véhiculé, on va dire, des motions de soutien à l'égard du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une autre allocution qui a tenu en haleine la foule venue nombreuse ici cet après-midi, c'est donc la déclaration en tout cas du directeur général de Tradex en la personne de Périal Nyodo, qui a tenu en tout cas à mettre tout simplement en garde tous ces vendeurs d'illusions qui en tout cas scandent des slogans irréalisables donc aux différentes lors de les différents meetings. Il a donc tenu à prendre le peuple pour témoin que le candidat qui est capable de rassurer, mais surtout d'assurer un lendemain meilleur à cette population, c'est donc celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Après donc cette allocution, on a eu également le passage du ministre des Transports, M. Ernest Ngalé Bibé, qui en tant qu'effectivement élu de cette localité a tenu à s'exprimer tout d'abord en Bassa, mais également en Basso, question de faire passer effectivement le message avec effectivement le désir de voir le candidat pour bien être réélu au soir du 7 octobre, donc à l'issue de ce scrutin présidentiel. La boucle a donc été effectivement bouclée, permettez-moi l'expression, par le ministre de la Justice, Laurent Esso, qui a donc tenu à louer, on va dire comme cela, l'action en tout cas de M. Louis Yimga, qui est donc le président de la coordination pour le département d'union de la Sénégal-Maritime, mais également le grand architecte en tout cas de cette grande ouvrage. Il a donc été porté en triomphe par le ministre d'État, qui a tenu en tout cas à féliciter les actions menées jusqu'ici pour permettre à ce meeting d'avoir tout son éclat possible. Et bien c'est donc, on va dire, tout est bien qui se termine donc plutôt bien. Le message est le même, celui qu'on a eu le temps de véhiculer tout au long de ce meeting, et bien permettre au candidat Biya d'être réélu au soir de 7 octobre prochain, lui qui est présenté ici comme étant la force de l'expérience. Et bien depuis donc EDA pour la télévision panafricaine, nous étions Patitou, Six Fofier, Rita, donc Linda Sibafo, Fabrice Doum pour la télévision panafricaine.